Bonjour, je m'appelle Antoine Fulien. Bonjour, je m'appelle Flore Moser et nous sommes les cofondateurs de l'association Ishpingo. Ishpingo est une association franco-équatorienne qui a été créée en 2005 pour répondre aux attentes des populations autochtones de la province du Napo en Équateur. Nous travaillons à la reforestation et à l'amélioration des conditions de vie des populations tout en préservant les ressources naturelles de la forêt. Donc dans notre zone de travail, on a une problématique qui est assez spécifique en tant que déforestation. Ce n'est pas de la déforestation à grande échelle comme on peut la voir au Brésil ou en Indonésie où c'est des coupes à ras. On est plus dans un problème de déforestation sélective. Donc les espèces ayant des grandes valeurs ajoutées qui sont les plus coupées et qui maintenant ne sont plus présentes dans les forêts. Donc ça, c'est lié à plusieurs choses. Premièrement, c'est le front pionnier qui est en constante avancée, puisqu'on a une explosion démographique dans la région depuis quelques années. Et donc les gens, les agriculteurs cherchent toujours de nouvelles terres. Ils commencent par couper les arbres ayant une haute valeur économique. Une fois que la forêt est dégradée et ne présente plus d'intérêt, ils décident de la couper définitivement pour pouvoir mettre en place leurs cultures de rente, qui sont essentiellement le cacao et des cultures d'autoconsommation comme le yucca, le manioc, et la banane plantain et le maïs. Donc le mode traditionnel de culture des populations quichua correspond également à un système agroforestier mais très simplifié. Et pour tout ce qui était besoin en bois d'œuvre, les gens allaient couper dans les parcs nationaux ou dans les forêts alentour le bois dont ils avaient besoin pour la construction, pour leurs bateaux, les canoës, etc., etc. Donc la solution proposée par Ishpingo, l'alternative proposée par Ishpingo, c'est de réintroduire tous ces bois d'œuvre qui n'existent plus dans le milieu naturel pour les réintroduire chez les gens, pour qu'ils puissent exploiter les bois chez eux et laisser les bois présents dans les parcs nationaux s'auto-régénérer et ainsi créer un processus de conservation. J'ai une finca, donc à moi, j'ai aimé avoir plus de bosques, sembrar plus d'arbres. Donc, ma personne commençait à sembrar. Después, encontré un amigo al Antonio, entonces él trabajaba con la Fundación Ishpingo, entonces a él le invité, que queremos conocer su trabajo, como dicen, vivideros, así. Entonces comenzamos con el Antonio, con un pequeño proyecto, sembrar las plantas maderables, frutables, de todo. Entonces ahora yo agradezco al Antonio, es que el vivero está mejor con las plantas, de todo tipo de plantas. Entonces ahora quiero sembrar en mi finca más. Yo quiero forestar mi finca y para los futuros hijos que tengan árboles, que ahora totalmente está perdiendo los árboles más grandes, todos están, botamos nosotros mismos, ahora quiero forestar. Entonces, yo quiero ahora ya sembrarles por hectáreas, o si es que ayuda a Fundación Ishpingo, entonces quiero sembrar unos 2 o 3 hectáreas de maderables o frutables, así. Por hectáreas yo pienso a sembrarle, quiero tener una finca de calidad para el turismo, para nuestras familias. Eso yo pienso, pido la ayuda de la fundación, si es que hay más semilla para sembrarle la finca que sea de mejor. L'alternative proposée par Ishpingo au niveau agroforestier dans l'introduction des arbres et des fruitiers dans les cultures, c'est une agroforesterie quelque peu technifiée puisqu'on mélange les productions, on introduit de nouvelles espèces dans les cultures déjà existantes comme le cacao et le café sans pour autant en diminuer la production. Donc c'est là où on intervient des distances de plantation différentes et différents systèmes agroforestiers en fonction des surfaces cultivables par l'agriculteur. On peut ainsi reboiser dans des parcelles déjà cultivées ou sinon faire ce qu'on appelle le parcellaire, la délimitation de la ferme de l'exploitation quand celle-ci est petite et que l'agriculteur ne veut pas perdre d'espace cultivable. Pour obtenir les jeunes arbres nécessaires au reboisement, l'association Ishpingo crée des pépinières avec la collaboration des agriculteurs, futurs acteurs de la reforestation. Cela se fait sous forme de travaux collectifs durant lesquels les agriculteurs participent à la construction de la pépinière
au remplissage des sacs et reçoivent une formation pratique sur les différentes techniques de pépinière. La tierra de aquí es buena, es de buena calidad, pero aquí tenemos un abono que es mejor todavía, que nosotros hacemos, sí, a base de la como la, pueden ver, pueden acercar y mirar, esa es la caca de la vaca, pero puede cogerlo, no tenga miedo. Está ya seca ya. Lleva un poquito de carbón. Carbón molido. Lleva cal, lleva melaza, lleva algunas cosas. Y ese es de muy buena calidad, entonces se le pone un poco con mucha tierra y le mejora bastante la tierra. Más o menos, ¿en qué parte va a sembrar? Ese montón de 10 es para Olga. ¿Dónde está Olga? ¿Olga? Ese es tu montón. 10 plantitas. Así habíamos quedado. Une fois les plantes assez grandes, elles sont réparties à chacun selon des listes préétablies lors d'entretiens réalisés en début de projet. Ensuite, les agriculteurs emmèneront ces jeunes arbres jusqu'à leur ferme où ils les planteront avec l'aide de l'équipe d'Ishpingo. L'association Ishpingo invite les agriculteurs à recevoir une formation dans une ferme expérimentale appartenant à l'association, afin d'avoir une vision à long terme de l'évolution de leur ferme en un système agroforestier diversifié. Ahora lo que es bueno también es hacer un hueco un poquito más hondo que el emporte de la funda. Porque usted puede ver, ¿no? El color de la tierra cambia, ¿cierto? Cada vez va más hondo, cada vez va aclarando. Entonces, lo que puede hacer es, el hueco le hace un poquito más hondo y después coge de la tierra de aquí con la basura y le bota un poquito al fondo. Entonces le está dando abono al fondo donde que la raíz va a nacer, porque ahí es donde necesita buena tierra. Y ahí lo resto es lo normal. Como pueden ver, esas plantas están bonitas ahorita. No tienen por qué morir. Si mueren es culpa de ustedes, no es culpa de las plantas. Donc au cours de ces 10 années d'existence, l'association Ishpingo a replanté 200 000 arbres avec environ 400 familles quichua. La plupart des bois replantés correspondent essentiellement à du bois d'œuvre, puisqu'au départ du projet jusqu'en 2008, on travaillait essentiellement avec des espèces de bois d'œuvre, mais nous nous sommes rendus compte avec les populations que cela ne correspondait pas à leurs attentes, puisqu'on travaillait sur du trop long terme. C'est ensuite que l'association Ishpingo a commencé à replanter des fruitiers également, qui permettrait aux populations d'avoir une récolte et éventuellement des revenus à moyen terme. Bueno, este espacio, este chakra, he hecho con mucho amor para mí mismo y para los demás. Entonces, 8 años atrás hemos empezado a reforestar con los voluntarios de Fundación Ishpingo. Y Antonio y la Flora, todos me han dado mano. Entonces, eso viendo que es muy importante, 3 años atrás, vuelta hemos abierto un espacio más para seguir reforestando, porque conversamos con Antonio. Un día yo voy a dejar haciendo la herencia para mis 4 hijos, y puede ser que un hijo quede donde que no hay ni una de estas plantas. Entonces va a haber un poquito desfase entre hermanos, entonces mejor yo prefiero seguir abriendo más espacios de reforestación, que un día al repartir mis hijos todos van a quedar con diferentes
especies de la madera o medicinal. Entonces, les gustaría pedir un apoyo de mi persona a la Fundación Ispingo para que me den mano, seguir apoyando con la parte de hacer el mantenimiento, la poda, una de las plantas, porque yo como di tiempo para otra actividad, entonces mayor tiempo pasaba en otro lugar y no le di mayor tiempo acá. Entonces hay plantas que están con dos ramas, tres ramas, yo sé que no va a desarrollar rápido, entonces al Fundación Ispingo solicito de la manera muy, muy hermandad para ver si un día en forma coordinada, organizada, para ver si me dan mano de dar una poda o con algún material para posterior yo mismo seguir aplicando, cuidando a las plantas. Entonces, que hoy en un momento, a los 8 años, observen las plantas bonitas. Ahí está el chuncho, el peine del mono, y acá está el bálsamo, el cedro, la guava, cedro, el canelo negro, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me gusta vivir, mi sueño es que mi finca convierta de aquí 10 años un paraíso. Donc l'introduction de fruitiers dans nos systèmes agroforestiers va permettre deux choses. L'une va être l'autoconsommation par les populations et une amélioration notable de leur alimentation. Et l'autre sera une amélioration de leurs revenus par la vente de ces fruitiers, à condition de créer un marché et de les aider à vendre ces produits vers le centre urbain de Tena. Tengo la pulpa y la marmelada. Muchas gracias. ¿Está la marmelada? Sí. Esta es la pulpa de araza. Vamos a probar estos productos nuevos. Sí. La marmelada. Mermelada de araza con banana. Sí. Sí. Esto es un buen proyecto, supongo. Sí, sí, es un orgánico, buen proyecto. Está de los agricultores de la zona. Sí. Que es bien orgánico el, sí, el tratamiento. Totalmente. Una manera buena de ayudar a los productores, ¿no? Sí. Ayudar a la fundación a hacer una cooperativa, uh-huh, para que los agricultores puedan vender los productos. Sí. Y la cooperativa para transformar y para vender a los productos de los agricultores. Me parece bien. Seguir adelante y seguir ayudando a los productores, sí, y poco a poco ir tecnificando más la producción. Sí. Vamos a probarla. Gracias. Me llamo Teresa Cabello, soy propietaria del restaurante Super Pollo y he estado comprando la pulpa, la mermelada, para ofrecer a la gente en batidos, jugos. La mermelada como postre es muy exquisito y los turistas sí aceptan y les gusta muchísimo. La cooperativa Ispingo es la que está realizando este tipo de mermeladas y pulpa. Está al servicio de toda la comunidad de Tena. Gracias. Depuis janvier 2014, grâce à un soutien financier conséquent de la Fondation Good Planet et l'Attitude Sur, l'association Ispingo améliore encore son projet en augmentant la quantité d'arbres produits, en améliorant ses formations et le suivi de ses parcelles reboisées.